Bonjour et bienvenue dans cette spéciale Mouled de Nabawi sur RTV. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'amour en islam et surtout du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec notre invité, monsieur Boumediene Ben Yahya, qui est islamologue, métaphysicien, spécialiste de l'œuvre monumentale d'Ibn Arabi, excusez-moi mon accent, Ambassadeur pour la paix de l'univers, Alpice Fédération 1 à Genève. Il est aussi secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses et fondateur de l'Institut Kalima en ligne, enseignement de la spiritualité de l'islam, du langage et de l'aide. Tout en programme avec notre invité. Bonjour, monsieur Boumedienne Benyahia. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Mais C'est un honneur pour, pour nous de vous avoir parce que justement, vous avez tellement à nous apprendre et surtout à ceux qui nous suivent sur RTV. C'est important de connaître l'islam, c'est important d'avoir les, les professionnels, les savants, les islamologues qui nous enseignent parce que nous sommes dans un monde où nous sommes beaucoup perdus, on va dire. Donc avant de rentrer, de parler de l'amour, donc c'est le Mouled Nabawi, d'où vient cette tradition C'est une tradition... Euh extrêmement ancienne, l'apparition de, de la manifestation d'une commémoration euh, qui s'exprime par la vénération amoureuse vis-à-vis -vis du prophète de par l'humanité et les croyants euh, est datée grosso modo à partir du XIIIe siècle de manière de plus en plus formelle et institutionnelle où vous avez des princes pour ne pas dire des califes, des princes à cette époque-là, notamment en Syrie. Euh, en Irak et ailleurs, qui prenaient position d'officialiser l'institutionnalisation de la commémoration mmh. de la naissance du prophète, alayhi salam. Alors, bien sûr, cette tradition, elle est extrêmement riche, mais à la fois, euh, elle a été... Pendant un certain moment critiqué, oui, si vous voulez, par vrai. quelques pouvoirs politiques dans le monde arabo-musulman. Je pourrais donner un exemple. Dès lors de l'arrivée du pouvoir saoudien en 1932, dès les années 60, 50-60, il y a eu formellement la volonté, une volonté politique d'interdire, si vous voulez, mm. la célébration de la naissance du prophète Mohammed salam. Bien sûr, pour des raisons, vous l'avez compris, mm. euh, qui sont beaucoup plus dogmatiques suite à l'inspiration d'une doctrine particulière de Mohammed ben Ceci dit, ça reste géographiquement quelque chose de minoritaire cette interdiction, parce que le culte, le, le, le alors, le culte religieux de, de l'islam donne une place euh, euh, centrale, si ouais. vous voulez, dans la vie du croyant, dans la vie du chercheur de l'absolu aussi, et dans la vie de l'être humain de manière générale. Et euh, euh, quand on regarde un petit peu les, les sources de l'islam, les, les, les sources fondamentales de l'islam, vous avez trouvé, euh, d'ailleurs, qui fait entre la notion de l'amour que vous avez évoquée au début, ouais. <coughs> qui est fort importante dans un monde tourmenté, totalement tourmenté aujourd'hui, et euh, qui nous a donné cette forme particulière au prophète, mais pas seulement au prophète, parce que la vénération et la célébration de la naissance du prophète s'inscrit dans une longue tradition spirituelle, mmh. notamment chez les écoles spirituelles de l'islam, et là on pourrait parler... Euh, D'une datation qui part déjà du 8e, 9e siècle. Donc, bien avant l'institutionnalisation officielle, une volonté politique de célébrer de communément, euh, dans un ouais. pays donné, dans une région donnée, la naissance du prophète. Et ces écoles spirituelles, le, euh, le, enfin cette pensée spirituelle s'est développée, connue de manière générale, en Occident, sous, sous le vocable que, que, ou la terminologie du soufisme, oui. mais en réalité, euh, ça dépasse largement le vocable, le vocable lui-même qu'il faudrait peut-être revenir dessus à un sûr. certain moment, parce que c'est un vocable qui se trouve aujourd'hui un petit peu galvaudé, mmh. dévoyé de euh, ses essences. Euh, originelle et d'origine, euh, de par l'exemple du prophète. Salat salam. Donc, c'est une longue tradition et qui a vu naître aussi à travers l'histoire une littérature sacrée abondante, ouais. extrêmement abondante, où nous avons de grands savants qui ont rédigé, qui ont consacré des recueils de, euh, autour de la notion, de la validation de la notion de, de la naissance du prophète. Pourquoi la célébrer Quels sont les bienfaits qui sont derrière Quels sont ses fondements, sa validité sur, sur le plan, euh, si vous voulez, euh, juridique de l'islam oui. Et surtout, euh, pour pouvoir ancrer de manière définitive dans la pensée arabo-musulmane la notion de l'amour. Justement, comment y rentrer dans ce moule Comment ça se passe alors souvent, souvent les traditions. On peut prendre le. le alors quand je dis traditions, bien sûr, qui, mmh. qui sont euh, inscrites dans une forme culturelle assez naturelle euh, dans le monde arabo-musulman. Je peux prendre comme premier exemple au Maghreb, mmh. donc les trois, quatre, cinq pays du Maghreb. On pourrait même aller un peu plus, euh, un peu plus au, au, au Sahel. Oui. Euh, donc tous ces pays, six ou sept pays. On a cette tradition, la tradition prend forme sous souvent des veillées spirituelles, mmh. des banquets spirituels, des réunions spirituelles, des consécrations spirituelles tout au long de la nuit de sa naissance. Donc en l'occurrence, oui. comme la nuit attendue et, et, et la semaine prochaine, de, de vendredi à samedi, euh, on est censé, euh, le, spirituellement parlant, religieusement parlant, mm -hmm. veiller cette nuit du vendredi à samedi. Euh, la forme, il y a plusieurs formes. La première pourrait être une veillée euh, de récitation coranique. Alors récitation oui. coranique parce que en réalité, rendre grâce par la vénération. À Salam, c'est de rendre grâce à la parole qu'il a reçue de Dieu. Oui, sûr, Donc, oui. c'est une forme obligatoire et qui est incontestable, si vous voulez, euh, le, en ce qui concerne le champ de la reconnaissance du prophète comme messager de la Rahma. Wa oui. ma illa al-alamin »« Nous t'avons envoyé pour oui. tous les mondes, j'ose dire, bien tous sûr. les multivers, parce que alam c'est oui. un univers, hein, littéralement parlant que comme miséricorde pour ces multivers. Donc si vous voulez, c'est une première forme qu'on pourrait difficilement contester, même si euh, ici et là, vous avez encore quelques réticences, je dirais, assez, euh, assez réfractaires, assez euh, défragmentées dans le paysage géographique euh, mmh. du... du, du du monde des croyants ouais. et euh, qui, euh, qui euh, ne transposerait pas la réalité de l'amour des croyants pour le prophète salam parce que cet amour est une voici là c'est le moyen de passer c'est le pont vers l'amour divin peut-être on y reviendra un peu plus tard l'amour du prophète c'est le moyen d'accéder au divin absolument en fait je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que le prophète, s'en alayhi wa sallam, il est venu pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu que pour une seule communauté, mais pour l'univers tout entier. Vous voyez ça, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental qui est malheureusement calvaudé, voire oblitéré, volontairement parfois, même si beaucoup de bonne volonté le dit assez régulièrement, mais on entend mais on n'écoute pas hein. et on voit le, 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 la subtilité entre, entre les deux euh, le signe coranique que je viens de citer qui est cité dans le surat, qui est cité à maintes reprises d'ailleurs euh, le, le, surat Ali Imran et, et d'autres, Donc il y a deux dispositions, deux dimensions. La fonction miséricordieuse, elle est universelle, elle est incontestable et irréfutable sur le plan du corpus coranique. Bien sûr. Mmh. La fonction que Rasulullah est miséricorde pour tout le genre de la créature des êtres humains est aussi incontestable. Donc il y a à la fois miséricorde pour tout le monde et ça résout. Les problématiques ou les tensions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. À savoir, euh, euh, je suis de telle religiosité, vous êtes de telle religiosité, on est ennemi. Et donc, par conséquent, ce, ce, j'ose le terme, mmh. ce séparatisme déjà qui part à partir des mots et qui envahit les esprits mmh. au point nous les musulmans, vous les autres. Mmh. Donc, il y a aussi ces, ces pièces, si vous voulez, extrêmement subtiles. Et les, les, les versets coraniques résout de manière générale, Muhammad est un rahma pour tous les mondes. Et dans ces mondes, toutes les créatures qui résident et qui habitent, qui, qui, qui sont compris dans ces mondes. Donc c'est incontestable, et ce message, je trouve, qu'à travers l'histoire a été étayé de manière remarquable par les savants euh, musulmans et parfois même non-musulmans. Euh, il faut s'en souvenir ce que goethe disait de mohammed, ce que, oui, euh, de, ce que de grands penseurs, j'ai pris un exemple, oui. euh, de, de goethe, on pourrait prendre shakespeare, on victor pourrait hugo. prendre euh, voilà, victor hugo, Là, etc., oui. euh, pour euh, mesurer l'impact des belles vertus transmises par oui. Rasulullah à toute l'humanité. Et je vais même aller plus loin. Il est venu pour les humains, mais il est venu aussi pour les animaux et il est venu aussi pour la nature. Absolument. Parce que ça, c'est important. D'où l'importance justement de respecter les animaux, la nature, de respecter toute forme de vie. Absolument, absolument. Le prophète Alésa Salam est porteur de cette vie vivifiante. C'est ça. Elle n'est pas seulement vie c'est une vie vivifiante qui donne les germes ou les graines, si vous me permettez l'expression ou la qualification, de devenir nous-mêmes acteurs de vie. Alors. Bien sûr, le Coran est incontestable là-dessus. Celui qui vivifie une âme ou qui sauve une âme, autrement dit, euh, auprès de Dieu, il aura la récompense d'avoir sauvé toute l'humanité. Et vice-versa, bien sûr, celui oui. qui enfreint cette loi sacrée de la vie que oui. Dieu euh, a mis dans, dans la dignité de sa création, à savoir l'homme, l'animal, le minéral. Et au-delà, il y a l'angélologie, il y a les êtres subtils, etc. Tous, euh, tous les êtres qui sont euh, plus ou moins cités, attestés dans le corpus prophétique et, et coranique et dans la littérature sacrée. Le prophète, alayhi salam, il est à la fois euh, celui qui transmet cette graine de vie, qui vient originellement aussi, qui a été porté, si vous voulez, sur la linéarité de, de notre existence, d'abord mm -hmm. par Adam, oui. Oui. Hein, qui fut, si vous voulez, le premier père, oui. euh, père qui transmet cette vie parce que lui-même, il a reçu du souffle oui. de Dieu. Mais derrière votre question, il y a quelque chose de fondamental et beaucoup plus méconnu, si vous voulez, euh, en ce qui concerne la connaissance mohammedienne, de manière générale. À savoir, vous avez un hadith de Sayyiduna Rasulullah. On l'interroge sur les prophètes et les messagers, et notamment sur Adam. Mm -hmm. euh, le prophète répond par la même déclaration Je fus prophète alors qu'Adam était encore en, dans la phase de la création entre l'eau et l'argile. Dans une autre variante, mmh. entre l'eau et la terre. Donc, cette vie, elle vient de l'esprit primordial que Dieu a créé de sa face selon une autre tradition euh, de, du prophète. C'est l'origine de toute chose et l'esprit, l'amour. Parce oui. qu'il y a un lien intrinsèque aussi. Mm. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'amour. Mais ça, c'est important justement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de familles, quand on parle d'amour, on met l'amour de côté. Alors que, je peux me tromper, je pense que, euh, c'est mon avis hein, personnel, je pense que l'amour, c'est 99%. L'amour, rempli de spiritualité profonde. Alors, le, la forme de l'amour, alors déjà... <coughs> En islam, et je doute pas dans d'autres traditions, il y a sou tout souvent des sources et des fragments d'amour. Oui. qui L'humanité n'a pas vécu que des monstruosités, même si, bien sûr, dans l'œuvre humaine, il y a de tout. Il y a le bon, oui, il y a oui. le mauvais. Oui. Mais dans le source, les, sources, les sources de l'islam... Euh, je me souviens d'un entretien qu'on a eu il y a très longtemps concernant le scripturaire coranique et la citation de la racine. Mm. L'attestation de la racine de l'amour, la racine hababa, oui. hub yuhibbuhum, Allah Allah etc., est attestée, Écoutez très très bien. Euh, euh, le, mon déplaise à tous ceux qui ne regardent pas les sources et qui ne enfin, qui sont pas rigoureux dans, le, dans leurs travaux et qui viendraient juste propager de la haine, et qui oui. est un peu ou la détestation ou la guerre, qui est oui. aux antipodes de la notion de l'amour, euh, on a plus de 155 occurrences attestées coraniques. Je ne parle même pas de la tradition prophétique dans laquelle nous avons des centaines, voire de milliers, indications, indicateurs et signes de l'amour. Parmi ces 155 vocables, vous avez le verbe, un seul verbe qui est euh, yuhibbu, mm. euh, de, qui concerne la, la notion de l'amour général et universel. Alors vous avez aussi, incroyablement, Dieu aime. Oui. Dieu aussi, dans le Coran, et ça c'est un peu inédit, Dieu aussi tombe amoureux. Dieu aime les patients. Dieu aime oui. les bienveillants. Oui. Dieu aime les résistants. Mm. Dieu aime les justes. Dieu aime les biens. Vous avez huit ou neuf attestations, entre sept et huit et, et attestations dans le Coran, où Dieu déclare son amour à une classe de son humanité. Bien sûr, cet amour est conditionné par un effort, un travail sur soi-même ouais. et une servitude comme, euh, qui a comme finalité Dieu, mm. mais qui passe par l'être humain. Rappelez-vous le hadith de Sayyiduna al euh, le meilleur parmi vous est celui qui est au service des autres. C'est ça, le plus utile et pour l'humanité. Et quand on ouais. propage, euh, on propage tous les mauvais caractères, malheureusement, mm. et, et, et cette distorsion des, des sociétés et de l'humanité, on n'est plus, si vous voulez, dans ce chemin, ce rat, dans ce chemin de l'amour, chemin de la droiture, chemin de la piété, chemin de la science. Mm. Car l'islam, c'est d'abord et infiniment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de science. Oui, je pense que oui, euh, c'est énormément de science, et puis d'humilité, d'ouverture. Puis on se dit, dans, dans le monde actuel, quand je vous écoute, quand, quand on, on, on lit le Coran, quand on voit la Sunna, quand on voit l'amour du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour, pour Dieu, ou, ou Habib, Allah, Dieu nous a tout donné. Et on peut se poser la question de pourquoi l'islam vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Pourquoi on dit l'islam, elle, elle est contre l'humanité, l'islam, elle est contre la loi française, par exemple, en l'occurrence ici. On se pose des questions parce que quand on lit ça, quand on voit l'amour, qu'il y a tellement de noms euh, qui caractérisent l'amour, on se pose la question de est-ce que nous-mêmes... Nous n'avons pas compris le message. L'être humain, vous l'aviez esquissé un petit peu, l'être humain, foncièrement, c'est une attestation de la parole de Dieu et quelque part ingrat. Oui. L'être humain oublie. Hein, il y a cette notion de l'oubli qui, qui est une loi existentielle, si vous me permettez l'expression. L'être humain ne tombe souvent dans la dans une volonté de méconnaissance, de méconnaissance des grâces de Dieu. Et euh, je vais revenir sur les détails par rapport à l'actualité, et notamment euh, ici en France, hein, pourquoi il y a ce rejet et pourquoi mmh. il y a cette image mmh. forgée de toutes parts et parfois légitimement, hein, oui, il faut sûr. le dire, parfois oui. légitimement, euh, par le biais des événements tragiques qui ont frappé ce pays aussi. Il ne faut, oui. faut pas l'oublier. Le, 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 et qu'il faudrait condamner avec ouais. la plus grande fermeté, parce que euh, comment l'être humain, comment les croyants euh, oub oublient l'essentiel bah, Déjà, euh, je vais vous répondre à partir du quand, si vous voulez, juste pour un souci de rigueur scientifique, vous avez un signe coranique, incroyable dans le Coran, qui nous dit ⁇ un signe coranique qui traduit la situation dans laquelle nous sommes, à savoir le Messager se plaint à son Seigneur Mohammed, oui. où il dit bah, :« Ma communauté, la communauté, je reviens sur le terme, l'implication du terme communauté, euh, qui est aussi galvaudé dans les usages euh, officiels ou, 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 ou techniques euh, en France et ailleurs, ma communauté a pris ce Coran à » a pris ce Coran comme quelque chose de délaissé, ils oui. l'ont délaissé. C'est <coughs> un signe coranique. Le délaissement, alors un délaissement, c'est pas du parcurisme c'est pas seulement de, de, de mémoriser, si vous voulez, oh. euh, le, le, les paroles de Dieu, ce qui est une grâce inouïe euh, d'avoir la faculté de le mémoriser, de respecter, si vous voulez, ces règles phonétiques et sacrées. Mais en réalité, le Coran nous invite à réfléchir. Et ouais. Il nous invite aussi. À dépasser un certain moment la réflexion. D'où l'imposition obligatoire d'un certain moment de notre vie d'embrasser, oui. si vous voulez, une voie spirituelle. Oui. Une, une approche spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la, la spiritualité C'est de revenir vers l'esprit. Quelle est l'origine des paroles de Dieu Qui était l'intermédiaire, si vous voulez, de la transmission des paroles de Dieu à euh, C'était l'archange Gabriel, oui. qui oui. n'est rien d'autre qu'un malak euh, Créer de la lumière qui est elle-même créée de l'esprit de Rasulullah. Et les sources sont incontestables là-dessus. Et euh, <coughs> il faut distinguer ce que c'est avec un grand R, la religion, des religiosités. Et c'est un travail que je le dis, je ne cesse de le répéter depuis des années. Les religiosités sont multiples. Vous avez une mmh. religiosité ancrée sur tel dogme, sur telle école euh, juridique de l'islam, historique, qui est parfois passéiste ou pas, mmh. euh, classique ou pas. Vous avez euh, aussi euh, des religiosités basées sur un ressentiment d'échec. Et là, on pourrait ouvrir tout un débat sur la sociologie de oui. la religiosité qui fait que nos jeunes, Aujourd'hui, oui. ils puissent à un certain moment dévier et tomber dans, euh, oui. dans des défaillances au point où ils commettent euh, oui. le, 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 le pire oui. pour, pour la société et pour eux-mêmes, pour leur famille oui. et pour, pour, pour la nation toute entière. Mais vous avez aussi des religiosités construites idéologiquement. Et là, il faudrait un grand travail, si vous voulez. De, sur les idéologies. Alors l'idéologie, c'est la liberté de notre conscience. L'idéologie, mmh. elle est liée à la conscience. C'est une idée qui se forge et qui devient, si vous voulez, l'essence ou la raison de notre vie. Mmh. Donc une certaine déformation vers ce qu'on appelle un extrémisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'extrémisme bah, L'extrémisme, c'est de prendre, vous avez... Euh, des ingrédients, une formule avec cinq ingrédients. Un... Vous prenez un seul ingrédient et vous favorisez celui-là, vous l'essentialisez, vous dites c'est celui-là le pivot de tous les autres. Vous le faites, vous le rendez dominateur sur les autres. Mm -hmm. C'est une déviance. Ouais. Alors que la voix, vous l'aviez. Et qui c'est aussi, c'est de chercher toujours le juste milieu. C'est ça. Pourquoi notre jeunesse ah, Jeunesse, il y a aussi. Il faut pas nier, si vous voulez. Le substrat sociologique. Le substrat familial qui est très important, mm. euh, le, vous le savez vous-même, euh, vous accompagnez beaucoup, beaucoup de personnes mm. à travers le monde, en France et ailleurs. Mm. Et, et le rôle aussi de la famille, euh, cette transmission des mémoires entre les générations, cette, cette intertransmission ouais. des mémoires entre la rive sud et la rive nord, etc. Cette mobilité qui est aujourd'hui devenue pratiquement impossible dans ouais. nos esprits. Tout ça joue à ce qu'on crée, si vous voulez, des barrières qui peuvent nous ramener à ce qu'on ne voit plus le message de Sayyidina Rasoulullah, à ce qu'on ne voit plus l'essentiel de la religion avec un grand R et non pas les religiosités, mmh. non pas les religiosités qui ne font que du mal à toute la société, à toute la notion en nous séparant, nous mentons les uns sur les autres, oui. etc. Rasoulullah nous dit. Allah, Nous avons le, le modèle excellent en la personne de mmh. Rasulullah. C'est là où naît l'amour. L'amour et la vénération envers, Dieu, envers le Prophète et à partir du Prophète vers l'humanité. Et euh, cet exemple, c'est quoi C'est que le Prophète n'a jamais. Euh, et je mets, euh, si vous voulez, avec euh, beaucoup de rigueur et de prudence, le prophète salam n'a jamais ordonné ce que la littérature, euh, parfois même panigérique, à travers l'histoire, tend à dire. Savoir, le prophète, alors, parce que nous avons une biographie aujourd'hui interprétée ouais. d'un seul point de vue. Un interprète, un traducteur, il va choisir, si vous voulez, c'est une diction, c'est un, un concours de diction, donc un point de vue, et ces interprétations, ces traductions de la vie du prophète, qu'est-ce qu'on retient Et notamment dans, chez les historiens, chez certains historiens, il ne faut pas généraliser non plus, on va retenir que c'était un grand leader. Euh, ouais. militaire, euh, un grand politicien, un grand stratège, euh, parce que l'expansion de l'islam géographiquement ouais. euh, dans un laps de 30 ans était euh, géantissime, était, euh, le, était irrévocable. On va retenir que le prophète salam... Disait des sentences au, à l'enceinte de, 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 de Médine, à l'enceinte de, de la mosquée de, de Médine. Et, et par conséquent, on a tendance à réduire, si vous voulez, historiquement, c'est un, un large travail, c'est un champ extrêmement vaste. On réduit la personnalité de Sayyiduna Rasulullah à. Un nivellement par le bas, un nivellement horizontal, ouais, ouais. à une lecture, si vous voulez, étriquée ou à une lecture déterminée seulement par ce, quelques axiomes historiques. Alors que la réalité, le prophète est un modèle de spiritualité universelle. C'est un modèle de pardon. Et Dieu y insiste de manière incontestable. J'insiste par important. le biais de, aussi de, 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 de votre émission. Mm le prophète Sallam, est dieu j'invite les gens à lire le coran et à le lire avec toute distanciation on n'est pas obligé on n'est pas obligé d'aborder euh, un lien extrêmement intime immédiatement c'est de lire d'abord d'abord lire les paroles de dieu comme une somme de connaissances universelles et ça c'est très important D'ailleurs, il y a l'injonction dans le Coran. Et quand on lit, qu'est-ce qu'on voit Qu'on voit que le prophète, que Dieu insiste sur les caractères, les belles vertus, les meilleures vertus du prophète dans le Coran, et beaucoup plus qu'il insiste sur ses positionnements sociologiques horizontaux euh, au moment où il était persécuté, au moment où des dizaines de tentatives d'assassinat contre le prophète, oui. de par sa propre tribu, sa, sa propre famille, si ouais. vous permettez l'expression, qu'il a poussé. Poussé à l'immigration vers le nord et euh, en étant minoritaire, et ça c'est un, un élément fondamental, malgré que le prophète Salam était à La Mecque minoritaire, ils étaient quelques dizaines qui étaient autour du prophète Salam. Ouais. Quand la prédication ou euh, la euh, proclamation de l'unicité par rapport aux 360 idoles euh, Dieu qui était autour de La Mecque et au sein de La Mecque, le prophète n'a jamais appelé à prendre les armes. Contre con, contre les Mecquois, contre euh, le, la régence de la Mecque, le prophète alayhi wa n'a pris les armes que vraiment tardivement, de manière défensive. C'est les Mécquois qui sont montés jusqu'à la Mecque. Oh. Alors vous avez la bataille de Pèdre, la bataille de, de Houd. Tous ces éléments, et, et pardonnez-moi la longueur de mon propos, symbolisent quoi Et qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu nous enseigne Il nous enseigne que le prophète alayhi wa à 90%, pour ne pas dire 99%, tel que vous l'aviez dit au début de, oui. de l'émission, était toujours dans une posture de belle vertu, de sagesse. Et Dieu le décrit de manière incontestable dans le Coran. Donc si véritablement on, 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 on loue une foi oui. euh, sincère, sans avoir toutes les connaissances du monde et sans connaître toute la littérature historique mm -hmm. de 14 siècles, euh, ne serait-ce qu'il faudrait se conformer à la majorité. Des propos divins. Merci beaucoup. Hein. Ben, D'ailleurs, c'est le mot de la fin parce que c'est la fin de l'émission. Merci en tout cas pour, euh, pour toutes ces précisions euh, sur le Mouled Nabawi, sur l'amour, sur la Rahma, parce que et le pardon surtout, parce que c'est très important de, de pouvoir justement faire ces rappels parce qu'on a besoin, nos cœurs, nos âmes ont besoin de rappels tels que les vôtres. Et euh, aujourd'hui, plus que n'importe quel jour. Quoi. C'est important. Euh, je, je vous remercie infiniment et je, je, je crois que peut-être un des messages à retenir de, des enseignements qui ont une vocation universelle du prophète, c'est de propager, de propager euh, la paix, mais avec un grand P, de, par les actes, et, les actes et les paroles, à tous les strates, parce que le prophète, physiologiquement, métaphysiquement, était un exemple de paix intégrale puis qui ont une relation avec une nuit, cette nuit du destin. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans d'autres occasions. Mais en tout cas, le Mawlid Nabawi se vit de manière incontestable. Il se vit de manière incontestable dans une consécration, toute la veillée de cette nuit, de vendredi à samedi, à faire la prière sur le prophète Muhammad, à l'instar de l'injonction coranique à glorifier les noms de Dieu à euh, chanter si vous me permettez oui. euh, le verbe oui. à chanter euh, le panégérisme, al-madh le euh, autour des belles vertus du prophète pour que ça soit un exemple et pour que les cœurs de toute l'humanité soient touchés par cette lumière qui est qui vient de Dieu et qui finit qui vient de Dieu pour les êtres humains et qui revient à Dieu à nouveau. Et puis bien sûr, Maulid Nabawi Sharif Moubarak Makboul, Inch'Allah. Merci et Nour al Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis sur cette émission spéciale. Mouled Nabawi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.